Kama unatumika hapa ukiingia munjimu sasa tunashusha ba creuser wanatumika produit ya cobalt. Baki kwe nayo hapa na 1000 francs ya inako. Mina probleme yuko pale bei njo shafasa inashuka ko kiloko par rapport ya ba chinois. Suite ya nini? Depuis cobalt rianguka. C'est pourquoi mtu nata mouvement ya carrière iko yote chini. Bon, il n'est pas dit kama unakuya unafanya nettoyage. Yapui ya creuser, nikusema unamweka nkamba mshingo. Non, c'est un partenaire. Malgré ça, on doit faire le calcul. Jouer le rôle, bon, disons que les coopératives minières jouent leur rôle. Peut-être pas d'une manière efficace. Le secteur minier artisanal au Lualaba fait face à beaucoup de difficultés à plusieurs niveaux. Les artisanaux travaillent à perte chaque jour qui passe. La balance, le poids, la teneur sont calculés d'une manière forfaitaire par les acheteurs qui sont en majorité des Chinois. Malgré des réformes minières, la création de l'entreprise générale du cobalt EGC et le centre des négoces de Moussompo, les creusers n'étirent toujours pas profit. Enquête aujourd'hui s'intéresse à l'artisanat minier, les maux qui rongent ces secteurs. Nous allons connaître également pourquoi l'entreprise générale du cobalt traîne à décoller, mais aussi le centre des négoces de Moussompo. Nous serons à UCK Drin, mais aussi à Kisankala au cours de ce magazine. Des milliers de creuseurs se serrent les coudes au fond des cratères dans le Lualaba, balançant des marteaux et des pioches pour prélever des morceaux de minerai. Dans cette scène de labeur presque biblique, le prix est le cobalt, mais aussi le cuivre, deux métaux stratégiques trouvés en abondance dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo. L'exploitation minière se poursuit depuis des années en violation flagrante des lois de la RDC et au mépris des creuseurs. Pour ce qui concerne l'état des lieux de l'artisanat minier dans la province du Lualaba, je crois que jusque-là, je pourrais dire il est statu quo dans le sens que la situation n'a pas beaucoup changé. La situation n'a pas beaucoup changé par rapport aux ZEA, donc aux zones d'exploitation artisanale. Jusqu'à ces jours, 90% des coopératives sont chez autrui, c'est-à-dire elles sont sur des concessions privées, des industriels qui les acceptent dans le cadre du social. Donc ce sont des zones tampons ou les zones d'hébergement ou les zones de tolérance pour des raisons du social. Et jusque-là, le problème des ZEA n'est pas encore résolu. Ça a toujours été notre cheval de bataille. Ma coopérative est ma société. Donc, je suis chez toute société, tout sur le plan national. Mais tout n'est vrai, mon province. Mais selon les Miminayua loi, donc chez coopérative, c'est nous-mêmes. Tout à coup, on a choix de notre partenaire par rapport d'abord à mes intérêts. Il y a chier coopérative et par rapport à mes intérêts avec creuseur. Mais il arrive parfois, il y a d'autres contrats. Il y a ma coopérative, il y a direct qu'on a fait. Il y a des contrats qui me disent que c'est ma tout l'été au gouvernement provincial. Peut-être mes intérêts, il y a qu'on fait peut-être mes intérêts ou bien mes intérêts, tout y a mis fou y a bantou. Selon la loi et tout, ni chez coopérative, tu n'as pas ta partenaire, tu n'as pas présenté au gouvernement provincial. Gouvernement provincial, parce que les partenaires aussi, et on a eu ma frère Taripa, après Kuripa, tu n'as pas chaque cahier des charges entre nous, coopérative, nos partenaires. Si le gouvernement n'a pas intérêt à la creuseur, on peut signer les cahiers des charges et puis tu n'as qu'en application. Mais ce n'est pas chose qui se passe. Vous pouvez voir ma coopérative, Yamingi, il peut étouffer, on ne sait pas. C'est par rapport à quoi?
les ministres, c'est ma ministre Kambele et Moumouiseka. Quand même, nous avons un partenaire qui est Thomas, un partenaire du gouvernement provincial Artou Letéakaye. On avait fait des cahiers de charges sur le plan social. Là où je vous parle, ça fait 3 ans. Le Thomas là a chié l'état Katabik comme étant un cadre social. Et ça fait 2 fois le partenaire là, donc moi, Congolais, un Chinois veut que, quand même, IDG, il a fait ma décision, il faut que j'aille d'abord discuter avec lui. On a fait des lettres, nous avons saisi le gouvernement provincial Mama et le ministre provincial Wangin. Le dossier, je crois que Ikingari Pameza, ministre Wangin, et je crois que d'ici là, tout à partant entre Thomas, gouvernement provincial, la chef coopérative, pour que tout fique qui chahile. Ce sont des blabla, il est ministre, parce qu'un Chinois se réveille un bon matin, ça fait 2 fois. Tout obligé, un jour, peut-être, tu n'as pas maçon, il y a ce comiscas, il n'y a pas au nom de la crèze, tu n'as pas hôpital, il n'y a pas. Tout ça, tu n'as pas de faire, parce que ma contrôle, tout qu'on a signé à la Chinois, la Chinois va respecter, parce qu'on a tout imposé. Alors que le crèzeur creuse le sol bleuté, des centaines de porteurs couverts de poussière gravissent péniblement une rampe menant hors de la fosse. Le dos courbé sur le poids des sacs de minerais, l'artisanat minier fait face à beaucoup de difficultés. Effectivement, pour un problème d'abord et à balance, le problème, moi, tout est sombré à ça jusqu'à présent, tout est pas tiré à solution. Tout n'a pas un problème à tenir jusqu'à présent, tout n'a pas tiré à solution. Tout n'a pas un problème à m'abéir. Les mabeilles, on a osé la crèzeur, mais les mabeilles sur le plan national et international, c'est des choses tout à fait différentes. Chinois, comme on a dit, c'est abeille, on a dit que tout le monde est en train de faire des choses. On a négocié, on a mis le coupable, on a mis le coupable. Oui, on t'a interdit que Moussa Mohamed, déjà ce moment-là, que Moussa. Non. Les créateurs sont libres. Comme on a peine d'abouche à couler. Ah non, juste, ni mon Dieu, mais après, si Benyé, tu n'as pas fait un constat. Après, tu n'as pas fait un constat, non, moi. Je me suis venu à remarquer, à taille, le monde a fait un constat. Déjà, on a regardé, mon empathie, explication qui l'a. Il y a moi déjà à comprendre. Quelle est ma activité dans ma galerie, à Kufanya Ivi, Manin? Je ne sais pas si je suis un négociant. Je ne sais pas si je suis un négociant. Je ne sais pas de traitement et de transformation. Non, ni créateur. Il faut créateur à tout le monde ma condition. Il est dans ce style. Le problème, c'est que je parle de Chinois. Les Chinois vont jouer à la base de Mambote. Mambote n'a pas de petit canon par rapport à Maïboué, ni Chinois. Tout ça qui peut venir en aide, ni gouvernement provincial, ni schéma coopératif, ni gouvernement national. Donc on peut faire commission moya il est fiqué que ça dit à ba congolais parce que on en partir en tout ba congolais tuna shuka manju mwa mulefu tuna acha ma milango ma produit na panda 11% bena ipima umo ina toka paka ma 2 produit ya 15% ina toka paka ma 3 njo uzuri tuna sheba crezer na be yuko chini babali bena patiamu ni ba chinois bena patiamu. Chatu patie mche ba crezer. Côté tu ya chiba crezer, atuna tena kile tuna bénéficier, atuna kile tuna neamo. En vertu de la loi congolaise, les crezeurs artisanaux sont en manque des zones d'exploitation et ne sont autorisés à travailler que dans les zones désignées par le gouvernement et dans le cadre de coopératives agréées. Mais la plupart des crezeurs disent que les zones désignées ne sont pas viables. Beaucoup préfèrent opérer sur des concessions industrielles où se trouvent des grands gisements identifiés, même si cela peut conduire à une confrontation avec des puissantes sociétés de plusieurs milliards de dollars. Dans les concessions des privés, généralement, nous travaillons avec certains partenaires. Il y a ceux-là qui ont implanté leur comptoir d'achat, qui achètent les produits des artisanaux, mais qui ne respectent pas les normes, donc qui sont en train de minorer les prix, le teneur, le poids et tout. Et voilà pourquoi ce problème-là est loin d'être résolu. Normalement, on ne devrait pas laisser la latitude aux maisons d'achat ou bien aux partenaires qui travaillent avec les artisanaux
a décidé par rapport à la grille de prix unilatéralement. Les services techniques du ministère de Mines, tels que Division de Mines, il y a le CIMAP, il y a CEE, c'est eux en principe qui doivent se concerter pour déterminer quelle est la grille qu'on doit fixer par rapport à l'EMB, hein, qui est la référence de prix par rapport au marché, international. En 2019, alors que la tempête sur le droit et les conditions de travail montaient, le gouvernement a créé l'entreprise générale du cobalt, qui a le monopole de l'achat et de la commercialisation des minerais produits dans le secteur artisanal, dans les zones désignées. Aujourd'hui, les efforts pour éliminer les mines illégales sont pratiquement au point mort. Le centre de négoce de Moussompo, créé pour résoudre le problème de l'artisanat minier, reste inactif jusqu'à ces jours. Je sais que le centre de négoce de Moussombo, c'est un centre qui est l'initiative du gouvernement provincial de Lualaba. C'était justement pour résoudre les difficultés que nous avons, nous, en tant que les artisanaux, par rapport aux analyses, par rapport au prix, par rapport à tout ça. Parce que Moussombo est équipé d'un laboratoire moderne avec des appareils de haute technologie, des appareils récents. Donc je crois que Moussompo pourrait résoudre le problème des artisanaux, mais jusque là Moussompo traîne encore à ouvrir les portes. Problème est à banane à autorité il m'a monté la petite canne au moins tout mon âne mon gosse pas ça que tout bien c'est maqué. Bandugo tu ba creuser beko na teso par rapport à ma balance, par rapport à ma metorex, par rapport à ma bintu ya kwachana mabei. Ba autorité déjà beko kura ile mambo. Unasikia? Jo mwile faso ya vile. Kama tunaweza walomba ko ba autorité, hata kama tunaweza walomba autorité sema ke betusaidie kombo. Kama mimi na mwesha parisa sasa leo mama fifi masuka leo tuangalie ko mambo ya metorex ku ba chinois. Mambo ya ma balance ku ba chinois. Président wetu anani wa mine eko pale. Mena yena ya shina kapabili mambo ni loi inatoka kule yulu. Nasikia loi ya kutoka kule yulu inashuka huko chini. Njoo na wewe na famu ile mambo yao wenyewe afao kushusha mabei. Ile ni problema ba chinois na ba autorité tulizaa huko kura ile mambo. Nous avons confiance, nous avons espoir que le dossier sera résolu parce que le ministre de Mines provincial s'est investi par rapport à tous ces problèmes. Il a introduit dans son budget de cette année le budget pour la viabilisation des aires. Ce qui manquait depuis tout ce temps, même au niveau national, je sais que c'est le gouvernement national qui institue les zones d'exploitation artisanale. On en a institué beaucoup de zones, mais malheureusement, ces zones-là ne sont pas fiables ni viables. Alors, ça demande une viabilisation. Nous jetons des fleurs au ministre de Mines qui a quand même osé introduire dans le budget de cette année dans le programme de viabilisation des EA. Donc, je crois que dès qu'on aura viabilisé deux ou trois EA, ça pourra résoudre ce problème qui est vraiment épineux. Parce que jusque-là, en tout cas, la cohabitation n'est pas très bonne. En dehors de cette inactivité, des LGC, mais aussi du centre de négoce de Moussompo, d'autres problèmes sont à résoudre. Ce qui est vrai, lorsqu'on a créé, on a eu l'initiative de créer Moussompo, le gouvernement aussi au niveau national a eu l'idée de créer aussi une entreprise EGC. EGC, c'est une entreprise générale de cobalt. C'est EGC qui devait en principe avoir le monopole de ce centre, d'après les projets du gouvernement. Or, il se fait que les initiateurs de EGC ont été écartés et c'est d'autres gens qu'on a nommés pour
continuer avec ce projet. Ces gens devaient revoir à la loupe tous ces contrats là-bas. Il y a dans le programme de EGC, il y a Travigoura qui aurait déjà donné plus de 80 millions de dollars. Et Travigoura, c'est un négociant international parce que la plupart des sociétés minières, la plupart des industriels qui sont cotés en bourse ne peuvent pas acheter le produit de l'artisanat minier. Mais Travigoura lui fait exception. Lui, il a le pouvoir ou le droit de racheter le produit de l'artisanat. Voilà pourquoi il a investi dans EGC les 80 millions de dollars. Et jusque-là, ça traîne encore au niveau de Kinshasa. Il y a plusieurs points qui sont en train d'être arrangés. Parce qu'il y a notamment le point tel que le monopole. Il y a beaucoup de gens ou plutôt les gouvernements, le ministère de Mines, je suppose que n'est pas très d'accord avec ce programme de monopole. Alors, ils sont en train de voir peut-être comment faire pour laisser aussi aux autres d'acheter. Parce que, qui ça? Et je sais, ne peut acheter que le cobalt. Et le cobalt issu des zones d'exploitation artisanale. Selon le décret qui a créé EGC, le décret présidentiel, dans certaines clauses, certains articles qui disent que EGC ne peut acheter que le produit issu de l'artisanat minier. Or, plutôt des zones d'exploitation minière artisanale. Or, les zones font défaut. Voilà pourquoi le blocage. Même si on ouvrait aujourd'hui, le centre sera alimenté par quel produit? Si on doit respecter le décret du président de la République que dans EGC, dans ce centre, il n'y a que le produit des EA. Or, les EA, nous n'en avons pas. Il n'y a que Kasulu qui ne peut malheureusement pas résoudre le problème de ce centre. Je crois, voilà pourquoi les gouvernements nationaux, tout comme le gouvernement provincial, ils sont en train de tout faire. Si on peut arriver, par exemple, à appliquer l'article 30, littéra E, du code minier, peut-être ce problème serait résolu. À ce moment-là, les espaces occupés par les artisanaux maintenant seront des aires. Là, ils peuvent aller vendre à Moussongo. Tant que ces concessions ne sont pas déclarées ZEA, ne sont pas instituées, ils n'ont pas le droit d'aller vendre là-bas. Voilà un autre problème qui fait que jusque-là, ça traîne encore. Je crois peut-être qu'au niveau national, ils sont en train de s'y mettre. Mesdames et messieurs, en 2018, la République démocratique du Congo a promulgué des réformes minières visant en partie à renforcer le contrôle sur le commerce fulgurant du cobalt. Le pays a déclaré le métal stratégique et a augmenté les taxes sur cette matière. Dans les sites miniers artisanaux, la sollicitation du cobalt est en baisse pour diverses raisons. À noter, le cobalt artisanal représente 4 à 5 % de la production congolaise. Suivez. Bon cobalt, abayuze shia tuyue. Shia kupitia mie, tunabeba cobalt mashiku ya mingi kupeleka hapa maison. Tuna maison hapa, tuna maison pa chala. Jo ma maison le tunatumika nayo. Alors tunabeba, tunapeleka, tunapima sana. Jana mimi nilikuwa na cobalt ingine pa maison pa chala. Tunafika kule cobalt iko trop bas, isha kushuka bei. Hakuna namna au tejiretrouve. Cobalt kwa kunayo, haina tena la cobalt, tunaza kufa ma 3%, 2% inako. Kama unafua teneur ya mingi 1.40. 1.40 ile kaba takuza bei, batakuza ni 100 000 francs, 110 000.
na cobalt yenyewe haina mo sana propos ya vile tunatumika kaji tukupaka mfukurila tubana ma produit mo ile ya ma ile bile binakachikaka tunapakisha hatuna tena mwile ma produit naturel njoo kupeleka cobalt na cobalt kama inapanda inapatiaka crazer haute nguvu na courage ya kutafuta ile ma vrai produit anapelekea ba partenaire yetu ba chinois. Alors cobalt jusqu'à maintenant atuyayua inashukia nini inafanya une année déjà hivi tu ku 5e mois inaanza kuisha déjà tuna consommer une année ya kushuka kwa produit ya cobalt. Bon problème ya cobalt en tout cas cobalt hapa mlesha tushikia hata kushikia histoire ya cobalt atuishikie atu comprendre ni nini cobalt tena aisikilike atuyue ni ba chinois njo mu mondial yabo peut-être mu mondial ya bobo. Abana tena nayo besoin ao bikuje mambo yote na dependre na wenye ba chinois na mambo yenyako balte kupanda kushuka na dependre paka na ba chinois parce que pas ça tout na ba chinois mwetu umumunani mwetu mu province alwala sema province yote paka ba chinois nasikia bonjo wenye na ba bintu benenda na ufa nini kwetote mule mwabo si tu ne va pas tiabo anatoka na kabo anasema ke hatuna besoin na kifulani tu besoin na kifulani tunafuata paka vile wenye na fana nini ben nasema njo vile. Bon, vous savez, par rapport au cobalt, c'est une histoire montée de toutes pièces. Vous savez, le cobalt, le Congo, c'est le seul pays qui a une grande réserve de cobalt au niveau mondial. Tous ces consommateurs finaux veulent bien, voudront bien venir acheter. Mais alors, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des machinations, tout simplement. Ils en ont besoin, mais dans l'entretemps, ils font semblant de ne pas acheter. Ils font semblant de ne pas acheter pendant qu'ils en ont besoin. Je sais que c'est juste un temps. Ils finiront par venir acheter. Pour le moment, les maisons d'achat n'achètent pas le cobalt. La plupart achètent le cuivre parce que nous sommes dans une zone cupro-cobaltifère. C'est surtout le cuivre qui est acheté. Ceux-là qui exploitent le cobalt, ils sont en train de stocker leur cobalt parce qu'ils savent que tôt ou tard, ils viendront acheter. Voilà la difficulté pour certains créateurs qui se retrouvent dans des zones où il y a plus de cobalt que de cuivre. Les réformes minières apportées dans l'artisanat minier restent un gâchis, a admis un haut responsable du gouvernement provincial. La plupart des créateurs refuse de se déplacer dans les zones artisanales désignées. Kinshasa aurait décidé des zones apparemment au hasard. Crezer et Naria, côté soit qu'on habite. Baoula ta défendre côté soit Ninani. Chinti Sekedi, diable. On en a un Congo et tout. Il vit bien quoi, Congo et tout, il est quoi. Kakwanza, président et tout, on a une organisation bien. En tant que Crezer ne oule monde au patron sana. On a peut-être tout le monde on a ma bosque et on va appeler ailleurs afin de creuser le monde dans ta patron du creuser on est sous moto calé mais kesho on a changé dans le bonheur maïbu président tu as changé dans l'organisation bien bien qu'à kwanza bintu binapanda bei na produit na fani ni produit na shuka asa kumbi tu kuna président ou bien tu kuna nani pa kichi pale shiradi tu contrôler ko ke hapana mikuna makaji fulani mu province fulani potoki on a faka makaji fina hivi bintu chef yangu utenda ko maison. Cobalt, chakushuka. Tener, kiloko, négocier munyota mushisha bintu. Naye inakwambia panda na koli négocier na kwambia 1500. Mbo salizaro na kubeba muisa mbo creuser unezo pata ngapi. L'application de l'article 30 du code minier pourrait soulager tant soit peu le mot qui ronge l'artisanat minier dans la province du Lualaba. Mais malheureusement, cet article fait face à des pesanteurs. Cet article 30 du code minier parle de la superposition des titres, de la cohabitation. Mais il se fait malheureusement que les industriels ont difficile à l'entendre de cette oreille. On leur demande de céder un ou deux carrés aux artisanaux, mais ils ont difficile à céder. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que nous ne pouvons pas céder aussi facilement comme ça parce que nous avons acheté auprès du gouvernement congolais via le cadastre minier. Nous avons acheté ces concessions et puis des deux, nous payons des taxes superficielles chaque année. Donc c'est un bien privé. Si l'État
Moi, je trouve que si l'État pouvait peut-être se pencher sur ce dossier, c'est l'État de suggérer une solution par rapport à cette situation. Par exemple, alléger les taxes. Par manque des zones d'exploitation minière, la province enregistre des soulèvements des créseurs. C'est notamment ceux de Kisankala et Kisanfu. Ce dernier n'ont pas où travailler pour subvenir à leurs besoins. Le ministre provincial a essayé de trouver une solution temporaire au problème des créseurs des Kisankala et Kisanfu en discorde avec quelques partenaires sur les sites. Nous continuons à tumika, mais mire penda kusumbria na moye junione, moko na tumika ma condition kanini yue na kilima kinye kinanzia wapi, kiteshia wapi. Hii solution tunakuya nayo ni solution ile aiseme krezera atatoka hapa. Krezera atakontinue kutumika ma condition yake ile ko, eko na tumikia. Et voilà, merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs de partout, chers créseurs. Nous sommes d'accord tous que le mal dans l'artisanat est profond. À quand la mise en marche des LGC et du centre des négoces de Moussompo, ici au Lualaba, qui reste des pistes, des solutions dans cette affaire, mais surtout à quand la viabilisation des zones d'exploitation minière artisanale pour permettre aux créseurs de bien travailler, mais aussi de profiter de leur travail. Cher ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, voici le pain sur la planche. Des solutions durables sont attendues dans l'artisanat minier au Lualaba, poumon de l'économie nationale, j'ai dit. Fin de ce magazine. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité légendaire.